La dernière partie, vous aviez voulu savoir un peu plus sur Musdrot, qu'est-ce qui se passait avec lui, est-ce qu'il était bon, est-ce qu'il était méchant, et vous vouliez lui avez fait croire que vous alliez suivre sa mission. Et quand vous l'aviez reparlé, vous lui avez fait comprendre que vous n'allez pas faire qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire, et que vous allez garder les colliers avec vous. Donc, Musdrot, pas content de ce que vous avez dit, vous a téléporté avec lui dans une caverne dans le pays des nains et a commencé à vous attaquer. Donc, Musdrot a péri avec vos attaques, que vous avez été capable de le tuer quand même assez facilement. Et vous êtes donc retourné avec le cadavre de Musdrot chez les nains. Et raconte un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, pris une petite bière, un petit repas, et vous alliez partir le lendemain. Et durant votre repas, il y a les ordonnateurs qui sont arrivés, sont en train de rentrer dans le phare. Donc au début, ils étaient à l'entrée, les nains le tenaient à l'entrée, et ils ont réussi à faire une percée, puis quand ça rentrait à l'intérieur, les nains se sont tous dirigés stupidement vers les ordonnateurs, pensant que. Sous-estimant la force des ordonnateurs, pensant que c'était des statues, donc, qui n'étaient pas de bons combattants. Et. Ah, ils ont plus que mais vas-y, continue. Durant ce combat-là, ils ont réalisé que c'était qui était mal parti. Donc. Le général Lefebvre a demandé à Cork et à un autre des nains d'aller défendre le Jarl, et ils se sont placés un petit peu plus haut dans le couloir. Et présentement, vous êtes encore en train de battre les ordonnateurs. Il y a un des nains qui est lui qui a juste ici en plein milieu, qui commence à être très blessé. Bélus aussi qui est quand même en mauvais état, quoique il est moins blessé que l'autre nain. Le combat s'ensuit. Glorinth a été voir le forgeron qui n'est toujours pas arrivé. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe avec lui et. Et c'est ça qui s'est passé la dernière partie. Donc, Glorin, c'est à toi. Bien, ben, T'as au vu de le. la situation, vu qu'ils n'ont pas voulu m'écouter quand j'ai dit qu'il fallait pas charger comme des gros bourrins, ben, s'ils sont blessés gravement et que j'ai pas non plus, je dispose pas de 50 soins à ma disposition et que je ne peux pas faire que soigner tout le temps parce que sinon, sachant que j'ai quand même une capacité de frappe qui est plus importante que certains. Et que personne ne se concentre à frapper sur le même pour essayer d'en détruire un, eh bien, ma réaction ce tour-là, elle va être assez simple. Je crie à tout le monde, repli! Et je me barre. S'ils veulent suivre, écoutez l'ordre que je leur donne, tant mieux pour eux. Dans ce cas-là, on pourra peut-être arriver à tous survivre. S'ils suivent pas l'ordre, eh bien, ils crèveront là. Attends, j'étais où? Calcule ma vitesse de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à 6. Je m'arrête en semi-déplacement ici et j'hurle au Ordonnateur. forgeron. Au forgeron qui est toujours dans son coin. Je dis, on est attaqué! Remplis-toi avec nous! Il faut défendre la forteresse! Et puis je continue mon mouvement. Je peux passer à côté de l'ordinateur qui est là? Oui. 4, 5, 6. Et je viens me placer avec les autres bonhommes pour défendre. Voilà. Prends mon tour. Parce que je suis retourné. Parfait. Donc, Bellus, c'est à toi. Ok. D'ailleurs, je vais te poser une question. Oui, je commence direct par ça.
Est-ce que la charge peut être considérée comme un simple déplacement sans le faire suivre d'une attaque? Même me mettre en mode offensif. Bah, en fait, non, tu peux. La charge, c'est pas un déplacement. La charge, c'est vraiment juste l'attaque. Donc, si tu veux te déplacer, tu peux te déplacer en marchant qui te coûte 2 points d'action par case ou en courant qui te coûte 1 point d'action par case. Juste, j'ai regardé jusqu'où peuvent se déplacer les autres. Je me mets à bloquer le premier ordinateur pour l'instant ici, de façon à ce que si les autres passent, ils puissent passer à côté et puissent aller derrière moi, parce que j'ai quand même pas mal plus de défense que certains. Et en plus, avec mon amulette de protection, je peux encaisser plus de dégâts. Surtout qu'il n'y a pas d'ordinateurs qui peuvent passer en fait là. C'est vrai, j'ai dit que les ordinateurs peuvent juste passer un à la fois dedans le couloir. Bah écoute, une case, deux cases, trois cases, quatre, cinq, six, sept, 11 et 12. En vrai, bon, normalement ça fait pile 12, mais je pense que je peux venir me placer directement ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, J'ai 7. calculé justement que tu pouvais venir derrière moi. D'accord. Bah écoute, je vais pour le moment rester là. Hein. Si jamais ils veulent se faire tuer, c'est tant pis pour eux. Hein. Parfait, donc Gérard, vous savez pas trop qu'est-ce qu'il fait encore. Panique. Le fer dit Parfait, celui-là on se replie dans l'endroit du forgeron. Allez, meurtrir. Bon, on peut se faire pulvériser là-bas, putain. Là-bas, tu peux aller. Et en arrivant à côté de toi, il dit Glorin, rentrez à l'intérieur, passez le capitaine Cork et Scar. Et il rentre dans la place des forgerons. Capitaine Cork fait rien, le Yalf, ça va pas y où. Les alliés maintenant. Alors, regarde s'ils sont quatre dans la truc du forgeron et qu'il n'y en a qu'un seul dans l'ordinateur qui peut passer par la porte et qu'il l'attend, peut-être arriver à s'en sortir. Le truc qui me fait rire, c'est que je vois qu'il y a un des soldats qui a quand même pris cher, mais l'autre, il a pas pris un pet de dégâts. Le survivant, quoi. Bon, en vrai, là, ça commence à devenir un petit peu chaud. Bon. Du coup. Ah, il est encore vivant, lui! Ah, je l'avais complètement zappé! Bah, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Oh, allez, donc, t'es là! À peine arrivé, tu veux déjà repartir? Mais c'est vraiment taillé? Ah, oui, c'est vraiment taillé. Allez, quoi, soyez sympa, je détruis la pierre, faites quelque chose. Bah, je sais pas ce que toi tu fais, mais pour l'instant t'es pas connecté sur trop loin. Oui, T'es mais avec peut-être nous que par la parole, mais ça met un certain pas. temps pour que je puisse me reconnecter. Et là, faut que T'es j'arrive à avec aller. nous par la parole, mais pas par les actes. Donc. Oh, ça se paiera. Je m'en souviendrai. Bon, bonsoir Benoît, ça va, ça biche? Smack, smack. Ça va bien, toi? Ça va. Tu as vu, la France se sentait quelque peu négligée hein, par le regard du reste du monde. Alors, on a fait un peu de publicité et on a mis le feu. Hein. On a tous nos braves croyants par chez nous qui se disaient que plus personne s'intéressait à eux. Alors, ils allaient faire un peu de pub. Ils étaient prêts à tout, hein, t'as vu? Ils n'ont pas reculé devant les moyens. Mais plus sérieusement, c'est quand même invraisemblable ce qui peut se passer dans la vraie vie. Hein.
On va essayer de faire mieux en jeu de rôle. Encore plus invraisemblable. Donc, Glorin. Oui. Oui, c'est vrai que là, ils sont en paquet. Mute ton Donc micro. 14, ça touche? Ferme le cockpit de ton récipient, s'il te plaît. Attends, je vérifie. Oui, 14, ça me touche pile poil, mais ça me touche. 13, ça touche-tu? J'ai oublié qu'elle a l'aura maléfique. Ah, bah non, 13, ça me touche pas, par contre. Parfait. Donc, les deux coups, t'es bloqué par. Tu réussis à bloquer les coups. Donc, Glorin, c'est nouveau à toi. Bien. En quelques mots, pour l'instant, je peux pas bouger parce que je peux pas reculer parce que sinon je ne protégerai pas Bélus. Donc, De toute manière, je je vais glisse, aussi servir. je glisse à l'intention des nains qui sont à l'arrière, qu'il y en a qui se décalent pour laisser passer Bélus. Se retrancher dans la partie dans l'une des parties sur les côtés. Et je dis à Bélus retranche-toi à l'abri, sera plus efficace et puis j'aurai pas besoin de te soigner. Et puis là-dessus, je reste là pour un moment et je bloque au passage et je vais attaquer celui qui est devant moi. Bon, une fois qu'il peut attaquer, il est content. Merde, qu'est-ce que je fais? C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Ça va, en plus, ça fait que du monde, ça. Alors, zut. On met en ordre. Hop là. Enfin, on va l'enlever, je ne l'enlève pas, mais je le décale parce que sinon je ne peux pas. Et j'ai combien de bonus à l'attaque? J'ai plus 2. Sur chacune de mes attaques. Ok, ni une ni l'autre touche. J'avais fait combien? La meilleure, j'ai fait 11. T'avais dit plus 2. Vérifie. Ouais. Bah, même à Vérifie 111, ça. ça touche pas. Je vérifie hein, quand même. La lame rouge, elle donne combien de bonus à l'attaque? L'attaque plus 1. Ouais, donc c'est bien ça. J'ai que plus 2. Donc, Vélus, c'est toi. Ok. Pour savoir, par rapport aux deux soldats qui sont à l'arrière, je peux pas passer à côté d'eux en mode. En fait, vraiment, c'est le mais entre eux, que je sache. Il me bloque vraiment le passage pour là tout de suite. Tu veux dire les deux nains? Les deux nains qui sont à Non, l'arrière, tu hein. Je peux peux. pas. Ils te laissent le passage. Ils sont là pour bloquer les ennemis, pas pour bloquer les ordinateurs. Pas pour vous bloquer vous, je veux dire. Bah écoute, mon petit Glorin, je pense que tu vas pouvoir reculer du coup pour qu'il soit porté du côté des meurtrières. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, bah, il faut croire que je suis à l'entrée. Je vais enfin découvrir quelle est cette pièce mystérieuse. Ben, tu vas le découvrir quand même assez vite, là, mais. Donc, Gérard, je vais te pigner, être sûr que tu saches où ce que t'es, là. Il est Ah, dingue. merci. Ça, c'est un maître de Est-ce jeu des plus hospitaliers. qu'il y a moyen d'enlever la partie noire un peu, quand même, Oui, voilà. oui, Merci. oui. C'est là que c'est autour de Gérard, ça se fait, là. Diantre. Tout cela? Donc,
La dernière Oui. partie, Gérard, vu que tu n'étais pas là, je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé. Toi et le Jarl, vous étiez un à côté de l'autre. Dans le fond, toi, tu as vu les ordonnateurs arriver, tu es rentré alerter les nains. Et vous étiez tous en train de repartir vous combattre les ordonnateurs qui sont, en train sont rendus à l'intérieur. Et le Jarl t'a dit de rentrer dans la porte qui a juste à côté de Bélus présentement. Et il t'a dit de tourner à droite et d'occuper une des meurtrières qu'il y a là. Donc là, tu es capable d'utiliser une arme. Techniquement, tu es capable d'utiliser une hache aussi pour attaquer de l'autre côté. Une hache, une épée, quelque chose de même. Tu sais, c'est fait pour les nains. T'as pas de malus, mais quelqu'un aurait des malus pour t'attaquer, toi. Seulement, je constate que nul adversaire n'est à portée. Je ne vois pas à quel point ils sont nombreux là où je me trouve. Non, tu les as vus avant d'être là. Tu sais qu'ils sont beaucoup. Tu sais qu'ils sont. Mais je pense que je devrais me placer plutôt ici, afin de pouvoir donc entreprendre ceux qui sont le plus en arrière. Et par cette ouverture, je glisse à mon camarade un peu plus loin. Reculez! Faites-les avancer, que nous puissions tous nous joindre à l'effort. Et donc, Gérard fourbit son armement et attend. Sometimes later. Donc, le Sinon. général Lefebvre est à l'affût de qu'est-ce qui se passe, mais présentement, ils font rien. Cork aussi, le Jarl aussi, les alliés aussi sont en attente. Si tu veux un avis, à mon avis, ils attendent qu'on les pousse en rangée pour pouvoir les massacrer en un. Donc, maintenant, l'ordonnateur qui est avec Glorin. Fait 17 et 10. Donc, 5 de dégâts. Si c'est son total, ça fait rien. C'est son total. Donc, rien. Littéralement, littéralement, il veut lui frapper Merci, ma dessus et lunette, hein. Heureusement que j'ai ça. Hein. Glorin, c'est Très à toi. salope. Eh ben, je vais porter une attaque et ensuite je vais reculer. Ah, vous l'avez pas senti venir, celle-là. Mais non, salut! Donc ça ne touche pas. Parfait. Elle vient me placer ici, puisqu'ils ont pas reculé, les nains. Sinon, Non, j'aurais ils reculé peuvent se d'une balle de tasser. plus. À moins que, tu sais, techniquement, si tu veux prendre la place d'un des nains, tu peux. Mais t'as pas, tu peux passer entre les nains. Faudrait qu'il recule. Faudrait qu'il recule, le nain, pour que je prenne sa place. Ok. Bah, le mieux, c'est littéralement de faire en sorte que tous les ordonnateurs s'appellent Et dessus, quoi. juste là, je vais m'arrêter, moi. Voilà, c'est bon. Mon tour. Bélus, c'est à toi. Je sens que tu vas avoir le capitaine qui va se prendre une de ses baffes. J'ai fait les alliés, mais j'ai de quoi j'oublie. Mais Bélus, tu peux faire tes affaires. D'accord, aucun souci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pouf! Bon, bah. Il n'y a plus qu'à attendre. La hache, bien! Et c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Qu'est-ce que je peux préparer d'ailleurs? Non, j'ai pas vraiment grand-chose qui puisse vraiment m'aider. Donc écoute, bah, je vais attendre dans ce cas le feu vert de Glorain pour abattre ma hache. Enfin, le feu vert. Parfait. Donc, Gérard, qu'est-ce que tu fais? Je constate que apparemment
L'adversaire va pouvoir avancer. Donc, Garde se fait discret. Et il attend. Il s'apprête donc à frapper. Non Alors, pas savoir, le premier qui passera, mais disons le savoir, deuxième. Quand une question par rapport à ça, c'est que comme il garde son action, normalement, il ne peut pas agir parce qu'ils ne sont pas encore là. Si par contre, il y en a un qui s'avance, est-ce que du coup, ça peut délayer son action et qu'au moment où il avance, il soit prêt à frapper? Oui, tu gardes pour faire ça. Moi d'ailleurs, c'est ce que j'ai voulu dire quand j'ai dit que je levais ma hache, prêt à. Voilà Ok, quoi. parfait. C'est vraiment en mode je vais la battre sur la gueule du premier qui va passer quoi. Donc, Gérard se réserve pour frapper donc quand le deuxième ou plus sera devant lui. Mais s'il est attaqué par le premier, bah, il se défendra et puis. Donc, suivant. Donc, les alliés sont en train de se placer. Ah bah tiens, la garnison revient pour une fois. De l'autre côté, il n'y en a pas qui se placent de l'autre côté, parce que là, ça va être plein. Il y a que trois places. Non? Oui, mais ils savent pas ça. Bah après, d'après ce que je vois, il y en a d'autres qui sont en route. Au moins deux, mais après, je pense pas que ça suffira pour le coup. Ce qu'il aurait fallu, ce sera vraiment les gros personnages en bas à gauche qui vraiment se joignent à nous, sur le côté gauche, pour faire vraiment du dégât. Parce que là, pour le coup, même si t'as peu d'esquive, on va dire, ils auront peu de chances de te toucher. Les ennemis maintenant. Surprise! Là, tu peux entendre sweet. Ah, mais comme je pensais, ils s'alignent tous comme des bœufs. C'est génial. Bon, bah là. J'ai cru que t'allais oublier. Parfait. Donc, Gérard et Belus, vous pouvez faire vos attaques que vous attendiez pour pouvoir les faire. Ah oui, mince, ma fiche. Bon, ce que je vais faire, laisser Garde faire son délivrer son coup en premier pendant que je vais chercher ce que je. Elle devrait être par ici. Ah là. Le personnage RP. Comment ça en premier? Oui, parce que moi j'ai complètement oublié de sortir ma fiche, donc si tu veux, tu peux taper en attendant, c'est juste pour voir à peu près Y l'application des dégâts. a un adversaire à portée de la rapière de Gérard. Oh, maître du Tu jeu! sais que t'as une arme pas mal plus puissante qu'une rapière, hein? Tu sais qu'avec le rapier, pourquoi tu continues de C'est me toi qui as frapper la avec lame ce bout verte en de passant, la Claymore d'Adamantium. Ah bon? Ben on va taper avec! Elle a un bonus de plus 5 à l'attaque et plus 4 aux dégâts. Oh, Oh that's perfect. bah, on va essayer, hein. C'est une grande responsabilité, donc je sais pas si mon personnage va y arriver. Ben, avec le Oh, mauvais dé, c'est sûr que ça marchera pas, là. putain, il a même complètement étalé, ouais. Oui, pour ça par contre c'est triste. Bien, alors je vais vous interpréter les pensées de mon personnage. Crac! J'espère qu'il y est D'ailleurs, passé. Il soit dit en passant, regarde, il voit que ça n'a pas eu d'effet, il fait, mais c'est nul. Qu'est-ce que c'est que cette arme? Mais c'est ridicule. Suivant. c'est juste que c'est toi qui es ridicule. Ou qui T'as deux sait pas attaques. frapper, ça peut aussi. Bon, ok. Trêve de plaisanterie, soit dit en passant. Juste une question, t'as eu des nouvelles de Rat? Parce que du coup le problème c'est que normalement on est censé avoir trois lames,
que la troisième, c'est lui qui l'a, et que ben, il n'est pas là. Et les nouvelles, c'est que ça marche pas pour lui ces temps-ci. Triste. Pour faire partie de la partie. Je peux y aller à mon tour? Oui. C'est parti! Envoyez la sauce. Est-ce que ça passe du coup? Parce que là. Non. Alors, je suis au regret de vous dire que on va, avec un peu de chance, faire un triumvirat de ridicule. J'attends que mon troisième camarade qui s'est moqué de moi, lui aussi subisse le coup du sort. Et là, moi, je vais rire. Parce que c'est pas bien de se moquer des autres. Bah écoute, est-ce ton karma? En parlant de ça, du coup, ouais, non, ça touche pas, j'imagine. Non, ça touche pas. Moi, je vais vous montrer comment il faut faire. Dit-il en faisant un. S'il fait 12, je serais dégoûté. Hein. Oh, tu sais, en vrai, si l'équilibre des chances est bien pute, ça peut le faire. Non, mais la vie, le hasard, le jeu font que tout est possible. Voilà. Tu vois, il est Bon, deux fois ça. plus fort que C'est nous, il a fait le double de Benoît, nous. c'est Benoît, c'est Benoît, c'est Benoît. C'est pas le bon. C'est pas Donc, grave, c'est de jeu. Lui aussi a atteint la parage commune. Glorin, 9, ça touche pas, non. Fait Non. que c'est bon, les ennemis ont fait leur tour. Glorin, c'est nouveau à toi. C'était l'ordonnateur qui te pute. Eh ben, c'est parti, hein. Moi je bouge pas, je fais deux attaques sur celui qui est devant moi, hein. Douze, est-ce que ça passe? Oui. Ah, voilà. Ok, d'accord, bon. Il a bien géré. Bon, attends, J'avais dit envoyez les dégâts quand que 12, même. ça Et se touche pas. voilà. Voilà. Regardez comment il faut faire. Comme Ok, ça, il faut faire. Je lui fais 14. Comme JB, déjà. je crois que là. Bon, je crois que je vais aller retourner dormir. Parce que là, franchement, je ne sers à rien. Oh mais Non, non! On n'a qu'à frapper encore plus fort. Là, il va rebouger, une cible. suis mon exemple, tu y arriveras, tu vas voir. Non, attends, t'as. Combien que t'as eu? 14. Non, mais pour toucher, c'était combien? 12. 12, ok, c'est bon. Parfait. Velus, c'est à toi. It's a me! Double headshot. Bon, allez, on va voir du coup si ça fait vraiment mal. Honnêtement, si l'échec critique existait, je pense que je l'aurais mérité. Bon, alors, T'as espérons que une le chance stock sur soit 10 vide. de faire un as, tu lances 2 dés et tu fais 2 as. Franchement, t'es très fort. Bon, du coup, j'imagine que. Avec des gars, Il aussi y l'histoire. avait, en probabilité, il y avait une chance sur 124 que tu fasses ce résultat-là. Parce que 12 Ouais, fois donc ça 12, veut ça dire que fait j'ai une bonne chance, 124, c'est hein. quand même extrême. Oh putain, bon, de toute manière, je fais 11 de chaque, donc ça passe pas. Garde. Non mais Putain, moi la je seule voulais fois. délirer, je voulais raconter des conneries, chanter tout ça, dire ce soir on vous met le feu, des choses comme ça. Mais là je suis dégoûté, j'ai l'impression que, comment dire, le courroux du Tout-Puissant s'abat sur nous parce qu'on a rigolé de quelque chose qu'il fallait pas. Alors... Ouais. Carrément, on va pas Non mais arrête de te foutre de drôle. moi toi. Mais C'est c'est pas drôle. drôle là. Non c'est pas drôle. Mais si. Imagine ma réputation après. Moi je m'en fous. Personne ne me connaît ici. Oh, il retape. Voilà. Là, c'est mieux. Mais ça touche. J'espère bien. Faut bien une fois de temps en temps, là. Sachant que tu peux faire deux attaques, hein, Ouais. JB. Ah bon? Oui, quand tu bouges pas, Ah tu peux faire deux attaques. ouais? C'est rendu. Bah, Moi, je quoi t'invite à faire? regarder le guide des règles. C'est rendu des points d'action qui sont utilisés pour faire les différentes actions.
Représenter. D'accord, donc Alors, Oh! Tout à l'heure, Non, c'était l'attaque que j'avais oubliée. Donc là, ça nous fait 17 et 15. parfait, c'est bon. Les deux touches. Fais tes dégâts. Ouais, T'as un attends. 12, t'as un Avec, 24, donc ouais. t'as un critique. Mon Dieu, le repentir fonctionne! Je crois en toi désormais! Alors. C'est quoi le jet de dés, hein? Pour les Ok, ben dégâts. c'est un D6 plus 4, puis si t'as des bonus de dégâts à quelconque qui s'ajouterait là-dessus aussi, là. 1 des 6 plus 4. T'es quel niveau actuellement, Guérin? Pour l'instant, je suis niveau qui clique sur le lanceur de dés qui n'y arrive pas. Non, mais quel niveau ton personnage? Je suis en train de faire quelque chose, je peux pas regarder. Bon, alors, c'est quoi ce bazar? Tu veux que je lance le dé à ta place? Non. Avec un peu de sur un perfect. Non, non, Ne non, t'as un touche arma pourri, pas à gros. cela. Oh, je déconne, ça. Et tu devrais changer de couleur, hein, parce que le rose, ça te réussit pas. Mais tu sais quoi, je crois que c'est ce que je vais faire. Allez, du coup, allez, va pour le bleu. Alors, c'est Ça quel fait combien niveau, de dégâts? gars? Fait garde. Le rôle, ton dégât qui est en critique, là. Mais il a, c'est le premier qu'il a roulé, il a fait 6. Mais sauf que on sait pas si quel niveau il est, donc s'il a des bonus aux dégâts. Donc je renvoie un D6 seul. C'est encore des 6 plus 4. Ah, ça fera 8. Ouais, c'est quel niveau pour savoir si t'as des bonus aux dégâts? Mais j'en sais rien. C'est le Mais maître de jeu qui sait, moi je... non, c'est le joueur qui sait là. C'est toi qui as ta personnage? feuille de perso pis tout là. Je suis niveau 6. Bon, bah non, t'as pas de bonus alors. Attends une Donc ça fait seconde, mais moi non, le 8 fois level 2. combo. 8 fois 2, 16. 16 et 3 plus 4, 7. 16 et 7, 23. Parfait. J'ai envie de dire, ça pique un tout petit peu. Donc, Cork, Glorin t'a dit de reculer d'un pas. Ouais, pour avoir accès au meurtrier, je suppose. Il a Donc, frappé avant en de fait, reculer. ouais, il va frapper avant de. Il faut peut-être frapper avant de reculer. Bon, ok. Ouais, Bravo. il s'est donné l'effort au moins, là. Je lui ai passé ma malchance. Qu'est-ce que j'ai ma vie? C'était quoi celui-là? C'est le Yarl. Ah, d'accord. Parfait, les alliés maintenant. Sur un des deux, je sens qu'il y en a un qui va repartir. C'est tout pris. Fais le tour, va de l'autre côté. Mais le capitaine a dit que... Donc, l'emmerdeur, peut... Bref. Parfait. Les ennemis maintenant. Donc, Glorin. Douze, ça te touche-tu? Ben non. Parfait, donc c'est correct. Je me dis trop l'ordinateur bigleux, tu sais.
Ça, elle arrive à faire un critique. Puis celui-là, par contre. Que Attends, garde je vais 8, poser. j'imagine que ça te touche pas. Attends, Plaît-il? t'as pas dit que ça offrait de la protection aussi, le fait qu'il soit derrière les trucs? Oui, sur un 7, 8, je trouve que c'est déjà un pas pire résultat avec un malus, là. Il y a déjà Alors, point plus d'armure 7. 10. Je te rappelle, pour Plus. l'instant, il y a aussi le ramal éthique, hein. Oui. Oui, c'est dans le fond, ce que je fais, c'est moins 5 pour attaquer du mauvais côté des meurtrières. Allô? Donc je disais armure 10. Oui. T'en fais cette. Fait qu'il y a juste le critique qui touche, puis ça te fait 16 de dégâts. Punaise. Glorin, c'est à J'aurais toi. beau dire, j'aurais pas aimé être à ta place. Est-ce que de là où je suis, je peux soigner quelqu'un à travers les meurtrières? C'est toujours giclé depuis J'ai les entendu des meurtrières. trucs, mais celle-là, Oui. on me l'avait jamais faite. Oui. De là où je suis, je Techniquement, peux. qu'est-ce que tu fais, c'est que tu manipules l'énergie de la vie autour de toi. Donc, tu sais, t'as pas, c'est pas de quoi qu'il faut que tu touches, de quoi c'est faut juste que ça c'est à une certaine distance là, sinon tu sais ton si on veut ton aura magique le touche pas là. Ok. Mais ça marche. D'accord. C'était juste une information que j'avais besoin de savoir. Donc, avant de d'abord, je vais frapper un coup avant de reculer. Bon, bah voilà, je poursuis la malchance des autres. Et en reculant, je dis, je gueule à tout le monde que s'il y en a qui sont blessés, qui se rapprochent de moi, qu'ils le fassent savoir. De façon à ce que je puisse les soigner. J'ai totalement Bon, niqué nos chances. quel genre quelqu'un qui a l'agonie avant qu'il se prenne un autre coup. Voilà. Belle c'est toi. Bon, déjà, je vais bien lui signaler que je suis blessé et que franchement, ce sera un petit bonheur à la chance, hein, honnêtement. Mais après. Bon, je vais essayer de garder son tour si jamais il Genre, veut si tu lutter. te prends un critique, tu risques de tomber, c'est ça la question, quoi. C'est dans ce cas, si tu as Oui, besoin absolument de soins, oui, c'est ça. Et là, je te puis si tu soignerai. n'interprètes pas verbalement ce que ton personnage dit, il risque pas d'être entendu. Tu vois, je dis. T'es blessé ou mourant, c'est Ouais. la... J'ai pas beaucoup de soins, C'est ça. donc je De les mon côté, je utilise. suis blessé. Après, s'il frappe bien là où ça fait mal, je ne dis pas que je serai en bon état après ça. Du coup, je vais faire confiance à Glorin et de mon côté, je vais faire du coup lui délivrer deux attaques à l'ordonnateur avant qu'il bouge pas. Ben lui, il va se mettre à marcher là, mais t'es... Vois, ça change mieux, ça marche mieux quand tu changes de dé. Ouais, ah ouais, reste avec les dés bleus. Bon, Donc du coup, 19 d'un côté et 20 de l'autre. les deux touches. Je me doute. Du coup, 2 des 6 ce coup-ci. T'as dit que le bonus des meurtrières en termes de dégâts, c'est combien? Aucun bonus de dégâts, c'est le bonus de défense. D'accord. Faut pas 2d6 exagérer plus quand 6. même. Déjà, ça te donne un bonus en défense, hein, c'est déjà pas mal. Puis ça Oui, enlève 5 à ouais, l'attaque du monde qui t'attaque, fait que c'est quand même pas pire, là. Ouais, mais j'ai cru à un moment que justement il avait dit qu'il y avait des bonus d'attaque. Bon, après j'ai mal compris. Bon, allez hop, une paire! Par contre, t'as tes bonus aux dégâts. Je sais pas combien tu as de bonus aux dégâts. J'ai un bonus plus 6. Fait que ça te Tu fais combien fait. en tout? Ah, le tout en fait. 3 plus 6, 9 et 9, bah du coup 18. Parfait. Tu frappes sur le premier qui était devant. Ah oui, sur le premier, il n'a pas eu le temps de bouger vu que c'est pas son tour. Ouais. Parce qu'il était déjà blessé, c'est pour ça que je pose la question. Déjà, on Non, va. mais d'ailleurs, il était bien abîmé à un Non? moment.
Il y en a un, là, vous avez un petit peu perdu le look d'où ce qui est, là, mais surtout toi, Belus, que tu vois pas grand-chose à part les deux ordinateurs qui sont en avant de toi, là. Mais il était quelque part, là. C'est un des quelques ordinateurs, là. Garde, à toi. Avec tout ce qu'il a pris, il est encore debout l'autre. Ouais. Ils ont combien de points de saloperie? Non, mais ça, c'était à s'en douter. Hein. C'est pour ça que malheureusement, les combats comme ça. C'est bon, je peux jouer? Oui. Vous faites peinture. Alors. Eh bien, courageusement, Gerard va lâchement frapper l'adversaire, puis fuir. À moins qu'il se ramasse un coup en fuyant, mais bon. C'est le mec qui va fuir, limite tu sais, il va me pousser du pied en mode reste pas devant, je suis en mode mais non. Tu me diras quand t'auras fini, si, même si c'est dans 1 heure, je pourrais jouer. C'est bon? Je peux jouer? D'accord. Donc, t'as ton critique qui fonctionne. Dois-je lancer quelque chose pour le critique? Ben, tu lances ton attaque normalement, puis c'est le résultat de ton attaque x2. Donc, pour le critique. Et pour l'autre. Ah ouais, 100 points de vie les golems d'Adamantium. Non, mais c'est pas un golem de l'Adamantium. C'est un ordinateur. Parce que ce qu'il te dit pas, c'est qu'il a foutu de la pierre au-dessus, de la dimension en dessous. Et peut-être qu'il y a encore une couche. Alors, si je compte bien, ça doit faire quelque chose comme 27. Les points de dégâts en Ouais, tout. ça fait mal, quoi. Donc t'as... Je sais pas pourquoi t'as brassé deux attaques. T'as une attaque seulement qui réussit. Moi, c'est un 5 les deux, là. Fait que 5, 9, 9, ça fait 18. Fait donc. Ça fait 15, on va dire. Oh T'as yes! tué un premier adamantium. Un premier adamantium. Un premier ordinateur. Petite question d'ailleurs, MJ. C'est pas celui que j'avais abîmé la dernière fois? D'accord, donc. Ah oui, d'accord. De Ok, lui tout c'est pas celui-là. seul qu'il l'a tué. Bah Non. écoute. Du Non, coup, mais en fait. je remets pas en doute quand même Bon, lui que t'as abîmé, là, et t'étais tellement proche de le tuer, là, ça a même pas d'allure, là. Il reste, je vais te le dire, il reste 2 points de vie. Tu sais, tu vas juste Ouais. lui donner un coup de ping, bah, c'est pour le machin. Fait, le fèvre reste sur sa Moi, j'ai pas position. fini. Oh? Puisque mon Oui? camarade donc m'empêchait de parler pendant mon tour. Donc là, mon personnage est censé avoir accompli toutes les actions qu'il peut accomplir. Oui. Il ne peut même plus soigner. Donc, il va être obligé d'attendre le tour suivant pour entreprendre de se soigner s'il en est capable. Oui. D'accord? Donc, au mieux, ce qu'il va faire. Il se met donc à appeler son camarade. Alors, voyons voir. Glorin. Glorin! Soin par ici! Suivant. Donc, le fèvre reste dans son coin. Cork tient sa position et se prépare à recevoir l'attaque de l'ordinateur. Le Jarl lui fait ses deux attaques. Ça pourrait être bien éventuellement que du côté du Jarl, on puisse voir aussi la zone. Parce que je ne sais pas du tout où il est placé, si jamais il serait blessé, si jamais il faudrait le soigner par la suite.
Bien entendu ton message. Fais un jet de perception. Perception étant fourberie Je ou crois que adresse. ça passe. Alors, adresse, c'est pas la peine. Adresse, j'ai 1. Donc, si ça serait la compréhension, j'aurais plus de possibilités. Mais si c'est juste l'adresse. Adresse ou fourberie. Ah, c'est pire. J'ai pas de fourberie, moi. Ok, Je donc suis pas une personne pauvre, moi. Je suis une dans personne la compréhensive, capable de sorcellerie, avec un peu de puissance, un tout petit poil d'adresse. Mais alors, la fourberie, parfait, pas même demander à moi de faire de la fourberie. donc écoute, dans la confusion du combat, Je sais pas tu trop. sais pas trop. Une solution pourrait être aussi, plutôt que de dépenser inutilement des soins, enfin bon, si, quand même, une garde et une bonne arme, donc ça serait con qu'il se barre de là où il est. Il se retranche. Ce qui est plus à même d'affecter les ordinateurs que les autres petits nains qui ont les armes ordinaires. Parfait, les ordinateurs maintenant. Parfait. Donc, on commence avec le capitaine Cork qui s'attendait à recevoir l'attaque. C'est bien, c'est comme ça. Donc, Wow, ça magnifique, fonctionne quoi. pas. Maintenant, l'ordinateur attaque le capitaine. Touche pas. Et les autres ordinateurs sont en mouvement, ils font rien d'autre. Glorin, c'est à toi. Ben moi je vais faire une attaque et un soin. Parfait. Donc mon attaque. Maximum. Un critique. Parfait. Et bim. Oh, je ne fais que 18. Et donc, t'achèves l'ordinateur. Et un soin sur. Je peux le faire sur garde là où je suis, malgré que je le vois pas. Oui. Et donc je lui rends 15 points de vie. Merci. Bellus, c'est à toi. Donc là, ça va être le moment de faire un choix. Pour le coup, je vais délivrer une seule attaque, puis venir, si possible, me réfugier derrière ce rempart, si ça me permet d'être à l'abri du prochain coup. Que je Oui. préférerais éviter à choisir. Il y a un an là-bas. Non, c'est à Non, côté du nez. mais. Tu Parce qu'ils touches? doivent se mettre à deux sur un. Non, Je il vais me va. mettre en fait. Attends, je vais te montrer juste ici en fait, si tu veux, tu vois, pour ne pas pouvoir être attaqué en fait le temps d'être soigné. Ouais, bah tu fais qu'une attaque, tu te déplaces. Ouais, c'est ce que Mais je fais tu peux d'ailleurs. après, au coup d'après, tu peux encore te déplacer, faire une attaque, te redéplacer, à moins que l'autre nain prenne ta place. Hein. Ici, là. Allez hop, du coup, les dégâts. Maximal.
Vu que c'est un À critique, dire. il y a un bonus ou pas? Non, c'était pas un critique. D'accord, même si c'est... C'était un 9 Ok. sur ton dé. Donc tu Bah fais écoute, 6 plus combien? Bah, si c'est logique, j'ai fait. Plus le bonus que j'ai avec mon arme. À part ça, il n'y a pas vraiment de bonus dont je Bah, t'as bénéficie. combien de bonus? Non, mais justement, ça c'est mes bonus que j'ai ajoutés. Ouais, c'est Ça pas c'est juste tout. son Ah, arme, c'est ses compétences, son arme, puis tout, là. t'as déjà non, attends. mais ça c'est tout. Ça c'est tout. Ah, d'accord, t'as plus Donc. 6, d'accord. Ok. Bref. Et donc, bah, juste après, je vais me placer ici, à l'abri. Parfait. C'est bon. Gérard, c'est à toi. Eh bien, recommençons. Commençons. Fais gaffe, vas-y. Ok, c'est bon. J'ai un petit souci. J'ai Oui, l'impression que je le vois dé a ça. glissé. Parfait, donc les deux, 4 et 9, ça donne combien au total? Alors attends, parce que c'est pas ça qui s'est passé. J'ai cliqué sur un 2 des 12 au lieu de recliquer sur le 1 des 12. Donc, je reclique sur mon 1 des 12 et tu ignores le deuxième résultat qui était apparu, s'il te plaît. Donc ça fait 7 plus Ok. 5 et 11 plus 5. Les deux touches. Alors, pour les dégâts. Parfait. Donc, C'est il y a encore... juste une Ça de commence larmes. à sérieusement m'agacer ce système. Il Ça fait a plus 10, 4 avec 5, son 6. arme. Oui. Sur les dégâts. Parce que quand je clique, en fait, ça décale. Et si j'ai pas le réflexe de décaler mon pointeur, ben, ça fait un GD qui est pas bon. Ok. Donc, tu as fait tes 11, dégâts. 10. Donc, le général Lefebvre maintenant charge sur l'ordinateur. Et ça fonctionne pas. Il a essayé. Ouais. Donc, Cork. Bah, il va faire comme tout à l'heure. Hein, il peut pas faire deux attaques, il n'est pas à portée. Ah, c'est vrai. Ouais. Il fait comme tout à l'heure, hein, il attend la Ouais, réception. c'est bon. J'avais oublié Hein. si Je tu veux. l'ai descendu, celui qui était devant nous. Ouais, non, j'ai oublié que si tu veux tuer. Au Fais pire, le il descend. Jarl. Fais les alliés. Alors les autres nains du côté du forgeron, ils vont peut-être aider le général, ils vont peut-être pas le laisser tout seul. Bah oui. Eh ben, il est déter le Et petit. ouais. Ou pas. Il aurait été Bah non, démoralisé c'est. pour rien. Ouais. Ah dommage. Il frappe avec quoi pour faire 2D6? Non, et c'est. J'ai cliqué sur le mauvais. C'est Ah sur. ouais. Ou alors peut-être qu'ils ont des armes comment? C'est déjà pas meurtrière, comment c'est déjà? Non, mais ça va pas 2D6. Des armes épiques, tu veux dire? Les armes? Des armes épiques que tu veux dire? Non. Fortement létal. Non, quoi, le truc qui rajoute un D6 à l'arme. C'est meurtrière ou je sais plus trop quoi là, non? Non, il n'y a pas d'arme qui fait ça, rajouter un D6. C'est
Quand que t'as une arme épique, tu peux transformer un plus 1 de dégâts que ton arme fait magiquement en un des 6. Mais non, mais tu sais bien, je ne sais plus dans quelle partie où on avait récupéré, je sais plus qu'est-ce qui a récupéré une rapière, La rapière je sais plus le cruelle? nom. Voilà, cruelle. Ouais. Cruelle, ça arrive bien des 6. Non, c'est sur un 13, sur un 13, sur un 11, ça fait 3 fois les dégâts comme critique. Plutôt Au lieu de que deux fois. au lieu de Au 2 lieu de deux fois. fois. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait rajouter un D6 que tu as pu voir dans une autre partie? C'est Non, c'est une compétence de la. renard, Ouais, c'est ça. C'est la. ça. Ouais. Donc, on va brasser un coup de dés. Allez, faites plus ça fait là, celui qui est derrière là, les gars. À 5 contre 1, ça Là, devrait y aller, la merde. théorie, là-dedans. Défoncez le moine. Alors, on est déjà un peu mieux ordonné là comme ça. Ouais. Donc, les ennemis maintenant. Je crois qu'on m'a chatouillé l'oreille, se dit-il. Non. L'ordonnateur de derrière, il fait que se déplacer? Ouais. Même pas, il fait une frappe avant de bouger. Même pas. D'accord. Honnêtement, ils agissent bizarrement depuis un petit, depuis qu'ils sont arrivés. Parfait, Parce que donc. lui-même, mon coquille serait retourné, mais bon. L'ordonnateur d'en avant maintenant. Donc là, ben le capitaine. L'ordinateur. Glorincé à toi. T'as compté l'aura maléfique retrancher les dégâts? Et bah écoute, puisque j'ai personne à soigner ce tour-là, je vais faire deux attaques. Il y en a une qui passe. Je fais 13. Parfait. Donc, il est toujours en vie. Bélus, c'est à toi. Est-ce que le soldat qui a du coup à ma gauche, celui-ci, peut se décaler à ma demande en fait, pour laisser au champ libre pour que j'assène une Ah, seconde attaque? il a fait ses Ouais. actions à son tour, il peut plus agir. Ah d'accord. C'est ce que je Bah t'expliquais tout à écoute. l'heure. Si tu te décales et qu'il prend ta place, tu pourras plus aller frapper. Mais c'est peut-être mieux de faire ça plutôt que de me prendre des dégâts inutilement. Bah au pire, ce que je vais tout simplement Au lui pire, dire, tu le c'est vois que. avec lui là, à son tour pour qu'il frappe une fois, puis il se décale, puis tu viens prendre sa place. Voilà. Et comme l'autre Bah est devant, on aura le choix entre frapper sur l'un de nous qui est devant lui ou te frapper toi, sachant que tu aurais plus 5 en défense, il va peut-être plutôt frapper sur l'un de nous, l'ordonnateur qui est devant. écoute. Ah oui, non, mais il n'y a pas de souci, écoute. Mais faut que tu demandes à celui qui est au nain qui est là de se barrer, de laisser la place. Bah écoute, je vais lui dire qu'au prochain tour, tout simplement, il se barrera, il me laissera sa place pour que je puisse délivrer un coup. Et au pire, ce qu'on va faire, est-ce qu'on ferait pas des switches comme ça, au pire? Ouais, quoique non, je vais carrément prendre sa place, ce sera plus simple pour lui. C'est si ce tour-là, lui frappe une fois, il se décale, que toi, derrière, tu viens, tu frappes une fois, c'est comme s'il avait été là, il avait frappé deux fois, en fait, ça revient au même. Sauf que après, ça permet juste de prendre des places.